voyant toutes les heures. On est stressé, on transpire, on arrive moins à dormir. Et la pluie qui tambourine sur les cordes de nos lits. Quand les lumières du jour nous auront réveillés, affalés sur le canapé et bien emmitouflés, on pourra parler de ce qui nous est arrivé. Et quand on ouvrira nos portes, on n'aura plus le poids que l'on porte. Traverser le pont, est-ce nous venir, mieux se comprendre, savoir revenir, se détendre. Et maintenant, regardez le monde autrement. On est rempli d'émotions comme une trousse de crayons. Le stylo rouge est énervé et le bleu est attristé. La colle est là pour réparer les amitiés dévastées par des ciseaux à bourrons qui ont causé leur séparation. On peut parler de ses problèmes en écrivant des poèmes. Parfois on ressent de la colère parce qu'on ne trouve rien à écrire. Parfois on vit tous ses soucis et enfin on respire. On médite, on expire comme notre cher ami Shakespeare. Quand en nous il y a trop de vibrations, on va au dehors se libérer en faisant du sport, en mettant de la musique dans nos corps. On va taper dans le ballon fort pour échapper au stress. Quand on joue le trophée et de retrouver l'allégresse. Traverser le pont des souvenirs, mieux se comprendre, savoir revenir, se détendre. Et maintenant, regardez le monde autrement. Les événements qui passent sont comme les éléments. Quand ça nous prend, qu'on les ressent, doucement ou violemment. Voilà la peur en bourrasque, le feu et ses flammes, la sérénité qui met son masque, la colère qui dépose ses larmes. Prenez le temps de regarder les êtres des forêts, le cœur de l'eau bouleversé quand elle se tape sur les rochers. Voyez les fleurs s'épanouir pour mieux nous éblouir au souvenir de nos sourires, jusqu'à ce que l'automne soupire. Si un jour les poètes venaient à prendre la retraite, on ne saurait plus où donner de la tête pour mener cette quête. Recolorer l'humanité et repeindre des poésies, car c'est peut-être aujourd'hui le premier jour du reste de nos vies. Se comprendre, savoir revenir, se détendre.